C'est la pire vidéo du monde. Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va enfin faire une étape assez cool dans le van qui va être la construction des meubles. On part de zéro encore une fois parce que je n'ai aucune notion pour construire un meuble. J'ai construit une cabane pour mon lapin avec mon père quand j'étais petite, c'est tout ce que j'ai fait. Depuis j'ai jamais rien retouché, donc voilà. J'ai à côté de moi une énorme planche de contreplaqué en 15 mm que j'essaie de déplacer depuis tout à l'heure. C'est assez comique parce qu'en fait elle pèse vraiment très lourd et j'arrive pas à la bouger et faut que je la lève sur la table pour commencer à faire les découpes. J'ai cru mourir. Pour l'anecdote, ça, je l'ai acheté toute seule à Leroy Merlin et je me dis tranquille, je prends qu'une planche, j'ai pas besoin d'un chariot. Je comptais vraiment transporter ça dans tout le magasin. Bon, encore sur un look improbable. Ça y est, je vais faire ma première découpe. J'ai hâte. J'ai trop hâte. Ça y est, j'ai mon premier souci dans le van. On le voit ici, elle est quand même beaucoup plus reculée que le siège qui est derrière. Et en fait, du coup, en hauteur, mon meuble, bah, il est bloqué. Il devrait passer comme ça. Tout ne se passe jamais comme prévu dans un van en vrai. C'est trop cool à faire, hein. Mais des fois, tout de suite, ça peut pas être juste facile juste pour une fois. Alors, petite avancée des travaux. J'ai découpé 3 planches. Je vous montre ça. On commence à voir un petit début de meuble. Bon, il y a toujours Grisou là qui fait sa toilette. Mais là, j'ai toutes mes planches de meubles. Celle-là, elle doit se mettre comme ça aussi. Et vous voyez, j'ai fait une découpe là. J'ai aucune notion de géométrie, les maths c'était vraiment pas mon truc. Et je suis restée mais au moins une heure plantée devant à me dire mais je comprends pas, j'ai fait tout, j'ai reporté, machin, ça marche pas. Mon père est arrivé en 30 secondes. En 30 secondes il a réglé le problème. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je ne suis pas revenue dans le van, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Waouh. Ça fait, je suis partie 3 semaines en Guadeloupe et en Martinique. Et là, je viens de rentrer. Je viens de redécouvrir le van. Je ne sais plus ce que j'ai à faire. C'est bientôt, on est sur la fin quand même de l'aménagement. Du coup, c'est pas mal de petits détails. Bon, il y a quand même le lit à faire. Enfin, à finir. Il y a quand même un peu d'électricité aussi à finir. Il reste des grosses choses, mais c'est plein de petits trucs et tout. Aujourd'hui, je vais vraiment faire vraiment des petits détails. C'est-à-dire, je choisis des rideaux. Là, je suis en train de choisir entre différents tissus que j'ai ramenés de Guadeloupe cette année et il y a 2 ans. Voilà, je crois que mon choix se rétrécit quand même. J'aime beaucoup celui-là. Je pense que je vais le mettre derrière. J'en ai un qui est beau là aussi. Qui est bleu, comme ça. Je l'aime beaucoup. Celui-là, c'est mon préf. Je pense que je vais le mettre pour la glacière. Celui-là, je vais le mettre derrière. Après, je peux peut-être faire des coussins. Il y a trop de... J'ai trop de questions. Voilà, je vous montre. On y va, choix du tissu. Position 1. Ok, proposition 2. Au final, j'aime beaucoup aussi. Ça va être dur, je ne sais pas. Et proposition 3. Mon lit est un peu petit, donc moyen lit. Bon, comme vous pouvez le voir, on a retrouvé le temps bien normand. Et crachine. Je vais vous montrer ce que j'ai fait hier et ce que je compte faire aujourd'hui. Voilà, hier, j'ai installé ce petit meuble. Ces miroirs, c'est vraiment incroyable. Hop. Voilà, ça et même quand je suis à l'intérieur, bim bim, c'est vraiment parfait ce petit meuble. Il tient juste avec ça parce que j'ai pas réussi à faire autrement, mais il est trop. J'aime trop, je l'ai trouvé sur le four au grenier. Et le clou du spectacle, le petit rideau que ma maman m'a fait hier. C'est un bonheur, je viens de recevoir ma planche, je vais enfin pouvoir. Je sais pas pourquoi je tourne, voilà. Je vais enfin pouvoir finir mon lit. Je vais souffler, voilà. Good day, good.
plan doit être affreux. Aujourd'hui, je vais tenter de fabriquer une espèce de planche qui va sortir pour que la glacière glisse tranquille et que j'ai pas moi à l'enlever. Enfin voilà. Là, je suis en train de mettre des petits loquets sur le lit que j'ai fabriqué parce que quand je roule, la rallonge, pouf, elle sort. C'est pas possible. Voilà. Premier loquet de ma vie. Je vais vous le montrer. Je vais vous dire que je suis fière de pas grand chose. Juste ça là. Hop. Hop. Voilà. Je suis en train d'essayer d'installer les coulisses. Je voulais vous montrer un petit machin comme ça pour faire sortir la glacière. Que vous. Bah, et en fait voilà, j'ai dit tout à l'heure j'ai dit ouais je vous montre pas ce qui est derrière le rideau, je viens de spoiler en fait dans mon installation. Bon, du coup sur la vidéo 20 tours vous verrez juste la déco en plus. Du coup je suis en train d'installer les coulisses, je sais pas si on appelle ça comme ça. C'est la première fois que je fais ça, j'y vais en mode solo. Je sais pas si je fais bien, mais je pense en vrai. J'espère que je vais pas me porter l'œil en disant ça. Franchement je pense que ça va. On verra. C'est la pire vidéo du monde. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'installation d'une glissière. Sur cette chaîne, on est très cosy, hein, vraiment. On n'a plus rien à faire. On est là. Attendez, parce que là, je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis en train de mettre des vis complètement énormes dans mon meuble. J'aimerais ne pas le transpercer. Trop grande ça. C'est que ce bordel. Hop là. Alors, on n'est pas sur une chaîne de youtubeuse mode ici. Voilà où on est. En PLS. Quelle idée de faire un rideau. Ok. Est-ce que vous voyez? Bah je sais pas en fait. Parce que moi aussi je vois pas si vous. Cette mèche là. On sait pas de l'essence 50 et j'ai quoi faire pour ressembler à un samouraï. Il n'y avait pas une coupe des demoiselles du téléphone. J'ai installé les deux premiers côtés des coulisses. J'ai coupé ma planche. Elle est là. C'est la bonne taille du premier coup. Franchement dinguerie, je comprends pas comment c'est possible. Mais bon bref. Est-ce qu'on peut pas. Est-ce que c'est pas la meilleure miniature possible? 20h17 exactement. Et j'ai fini mon beau tiroir. Enfin mon truc à coulisses pour mettre ma glacière. Vous imaginez même pas comment je suis fière. Oh purée, je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas testé avec la glacière dedans. À tout moment ça ne passe pas. Hein. Mais je vous montre parce que regardez comme ça coulisse du feu de Dieu. Alors attendez. Est-ce que là on repart sur des plans foireux. Est-ce que là vous voyez? Vous êtes prêts? Je suis trop fière. Oh my god. Ok. Je crois que c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Ah. Ok, on imagine. Plop, 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 plop. Je vais prendre un truc dans ma glacière. Hop, je vais prendre un truc dans ma glacière. Ok, c'est bon. Oh shit. Oh là. C'est catastrophique en fait. Ah, ouais, non, c'est de la merde. Alors, update, aujourd'hui, c'est la construction du tiroir. Ça y est, il faut que je le fasse. Je repousse ça depuis, oula, longtemps. Là, j'ai acheté la coulisse, j'ai plus le choix, il faut que je le fasse. C'est le dernier gros élément à construire, en fait, dans le van. Et après, c'est bon, c'est fini, les gros trucs, tout ce qui est à l'aménagement. Mais du coup, comme c'est le dernier, je suis en mode, oh, la flemme. Je suis toute seule pour le faire. Je suis au niveau expert maintenant. Je vais vraiment sortir. Objectif, je fais le tiroir et j'installe deux petites tablettes. Soit aujourd'hui, soit demain. Déjà aujourd'hui, et on va se calmer. Aujourd'hui, je fais le tiroir. Voilà. Si on... On est en construction. On est en construction. Là, je suis juste en train de rallonger. En fait, si je vous montre pas, c'est sûr que vous allez...
pas comprendre. Donc je vais vous montrer. En fait, voilà. Je fais une rallonge là. Pouf, pouf, pouf. Pour que ça arrive au niveau que ça. Donc en gros, ça veut bien. Voilà. Bon, ça sera mieux que ça, mais ça va donner quelque chose comme ça. Voilà. Et là, après, je vais pouvoir faire mon tiroir et le sortir. J'ai coupé 3 planches. Voilà. Ah, je me suis fait mal en plus. C'est tout ce que j'ai fait. Mais c'est génial, là, on voit bien. Bon, vous ne me voyez plus, moi, mais vous voyez ce que je bouine, là. Ça, c'est mon tiroir. Voilà. J'ai fait là on voit pas trop. En gros, j'ai fait les deux côtés du tiroir, ils sont fixés. Le tiroir il sort comme ça. J'ai fixé un côté des rails. Du coup, clac clac. Bam. Et le tiroir il sort comme ça. Oui, j'ai réussi. Un palmier. Bon, je visse et je vous dis. Et on voit si je peux le reprendre en fait, tout simplement. J'ai fixé le lit. Tout est fixé. Je vais tester la solidité du lit. Je pense qu'on va se marrer. Voilà, je vous montre ça. Ça, c'est le côté où je suis le plus sûre. Je viens de m'asseoir dessus, donc je sais que ça va. Là, je peux m'asseoir. Hop. Messieurs, dames, le lit est terminé. Il est fixé. Ça ne bouge plus. La rallonge. Voilà. Ici. Bon, c'est pas droit. C'est vraiment pas du tout droit. Je vous vois tous venir, mais bref. Regardez-moi ça. Hop. Après toutes ces péripéties, j'ai réussi à fixer le tiroir. C'est le lit, donc tous les meubles sont finis, l'aménagement est fini, j'ai la voix cassée, je suis malade, on est au mois de mai, il fait 12 degrés, voilà, mon corps n'a pas supporté ce changement de température, c'est pas normal. Tous les meubles sont finis, l'aménagement général est fini, après il va rester des petits détails, mais là je ne vous montre plus parce que je suis en train de remplir le van, et ce sera pour la vidéo d'après qui sera le van tour fini et ça. Depuis le début, je veux faire cette vidéo, c'est vraiment genre la vidéo qui va être trop bien. Je vais parler pendant des heures et des heures, mais pas aujourd'hui parce que j'ai la voix éclatée, donc ce n'est pas possible. Mais je ne filme plus. Donc je vous dis au revoir et on se retrouve pour le 20 tour, ça va être... J'ai trop hâte. In love.